ハザードです。こんにちは。アイディアを紹介したいと思います。実は、ハコア行った時には、小さな虫みたいな生き物があって、これそれで、私も虫を送りたいと思います、日本に。エコシステムの効果の主体を作りたいと思いました。だけど、無理。難しいから3次元の虫が送ることができませんなら2次元の虫で送るかな。それでこの動画をシンプルなアニメーションを作りました。2番目のアイディアはオブジェクトを触ることだけで変化をすることができます。これで例えば私のプリント指輪のプリントとか私の香りとかどこにつけました。だからこのテーマで方法はいくらでもある。例えばプリントで私の指輪のプリントをつけるかとか私のパフュームをつけるとかこれでオブジェクトを変わることができます。ありがとうございます。Bonjour, moi c'est Aja. Quand on a ouvert les boîtes, il y avait un petit insecte dedans. Et du coup, je me suis dit, je veux vraiment construire un échange d'écosystème entre ici et le Japon. Et du coup, vu que c'est un peu compliqué d'envoyer un insecte, j'ai pensé que si je ne peux pas l'envoyer en 3D, je peux toujours l'envoyer en 2D. C'est pour ça que j'ai fait cette animation. Pour la deuxième idée, c'était que juste en touchant un objet, on peut toujours le transformer. C'était l'idée c'était une idée plutôt simple mais efficace, que déjà notre empreinte était sur les objets, et notre odeur, il y a plusieurs façons et plusieurs genres d'empreintes qu'on pouvait juste... que ça changeait l'objet juste en Salam, c'est Hajar. Je vais vous donner l'idée de Kayo et Bako. Quand j'ai ouvert les boîtes, il y avait une hachara dedans. Et je vais vous dire que la hachara est venue du Japon, elle est venue de France. Du coup, je vais vous dire que je n'ai pas de hachara. ونديروا واحد ليشونج ديال ليكوسيستيم من هنا لتما، ولكن حتى ما قديتش شويه ديفيسيل، قلت نصاوب واحد لانيماسيون 2D ديال واحد الحشره اللي كاينه غتكون في واحد البواط ونصيفطها ليهم. الفكره الثانيه كانت لو فان انا غير نقصوا ان اوبجي كيتغير كامل بالبصمات ديالنا، بالريحه ديالنا، وبزاف د الحوايج واحد اخرين مختلفين. كانت ايدي اللي هي سامبل بزاف ولكن كانت افيكاس من بزاف ديال الجوايع. شكرا. Bonjour, je m'appelle Anaïs et pour ce projet j'ai choisi le carnet dans lequel normalement on écrit, on dessine des mangas, pardon, et dans lequel il y avait des trois cartes de visite et 5 flyers, donc ça m'a intriguée, du coup j'ai décidé de faire une enquête là-dessus, tout en sachant que je ne parle pas du tout japonais et que je ne connais pas du tout le Japon. Donc j'ai fait quelques recherches là-dessus et j'ai pour but de créer aussi une narration à partir des liens que j'aurais pu faire entre ces flyers et l'entreprise des cartes de visite et de le mettre dans ce carnet sur lequel j'ai déjà écrit carnet de voyage. Donc ce sera un voyage fictif au Japon sans bouger de chez moi en fait. Je m'appelle Angelina et j'ai décidé de travailler sur les tenugis. J'ai choisi cet objet parce que l'art du pliage et l'origami m'a intéressé et aussi parce que ça m'a fait penser aux coiffes traditionnelles arlésiennes qui ont une grande importance dans le sud de la France. J'ai décidé de travailler par la photo et la vidéo parce que c'est deux médiums que je ne maîtrisais pas forcément et que je voulais explorer dans ce workshop. Pour la photo, j'ai réalisé des prises de vue dans mon environnement quotidien où j'ai introduit cet objet dans les différentes prises de vue. J'ai articulé ça par le biais d'un livret qui raconte avec de la narration
ce qui se passe dans ces prises de vue, les actions menées dans ces prises de vue. Et au premier plan, il y a un focus sur le pliage, et au second plan, il y a l'environnement dans lequel ce pliage est introduit. Pour la vidéo, j'ai fait un tutoriel un peu naïf où je prends vachement de recul sur l'histoire de cet objet et où je m'intéresse seulement au pliage simple. Bonjour, je m'appelle Elliot. Durant ce workshop, j'ai eu l'occasion de déballer les objets qui arrivaient du Japon. Et j'ai sorti en fait le hobby sur lequel je travaille, qui était un hobby de mariage. Et quand je l'ai touché, il s'est passé quelque chose de très fort en moi, puisque je travaille à la fois autour de la relique, mais également avec le textile et autour du Japon. Donc c'était vraiment un objet qui m'a vraiment parlé, que j'ai décidé de travailler, même si c'était l'un des plus importants de la boîte. Et pour ce faire, j'ai réalisé des petits pétales de papier qui sont faits avec un papier de très bonne qualité, fait en France, que je brode en fait avec des points invisibles pour respecter le plus possible l'objet, puisqu'un hobby japonais a une telle qualité qu'on ne voit aucun point de couture qui pourtant sont faits à la main. Donc merci de m'avoir écouté. Bonjour, moi c'est Nina, et du coup ce qui m'a attiré dans la boîte, enfin dans les cartons, c'était cette boîte, que je me demandais ce qu'il y avait à l'intérieur, et il y avait des tampons du coup en japonais, qui étaient assez abîmés, la boîte aussi, et du coup j'ai décidé déjà de les utiliser pour leur redonner leur utilité. Du coup j'ai tamponné sur des feuilles qui étaient aussi dans le carton, et j'ai décidé du coup de les emballer, d'emballer les tampons pour leur redonner de la... pour leur donner de la... de l'importance, et pour leur... un petit peu comme un cadeau, comme un secret en fait. Et j'ai décidé, il y en avait un aussi en plastique que j'ai décidé de laisser comme il est, pas emballé, pour le laisser se différencier des autres comme il faisait avant quand ils n'étaient pas emballés. Alors du coup j'ai choisi comme objet une boîte d'œufs. Et après, j'ai fait l'impression de cette boîte d'œuf, et elle est transparente, colorée et en rose. Et après, je l'ai fait en format A5. Enfin, j'ai décalqué en format A5. Et après, je l'ai fait 5 fois plus grand. Donc, et c'est sur la Tana. Je l'ai fait au crayon de papier au début, et après, je l'ai fait à l'aquarelle. Et après, je l'ai fait en grand format, d'un mètre sur 1,78 m. Et après, je l'ai fait aussi sur un format encore plus grand, d'un mètre sur 2,60 m. Et par contre, là, je l'ai appliqué directement au pinceau avec l'aquarelle. Et du coup, j'ai choisi de mettre une couleur qui ressemble à la boîte d'œuf au début. Donc là, du coup, c'est voilà. Donc après, on voit qu'il y a des côtés qui sont accentués et d'autres non, parce que j'ai choisi de faire du contraste. Et après, je trouve que ça ressemble un peu à une carte et aussi à de la calligraphie. En gros, c'est comme si j'avais créé une typographie. Une typographie que j'ai créée à la main, donc ça devient une calligraphie. Donc, mon objet, c'était les dharma. Ce sont des genres de tirelire assez... ancestrale religieuse du Japon. Donc l'idée c'était de faire du couplage. Donc j'ai commencé par celui-là. C'est un assemblage avec de la cire. De base j'ai voulu faire un genre de mu avec les dharma, enfin un effet de mu. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait une proximité entre les rituels religieux de l'Occident dans les églises avec les cierges et les rituels
rituels japonais, donc où on doit bénir les Daruma pour apporter de la prospérité, etc. Ensuite, j'ai, pour cette pièce-là, j'ai fait un genre de couplage pour créer à partir de deux objets un seul. Contrairement au kintsugi, j'ai décidé de ne pas faire apparaître la zone de découpe, on va dire, parce que c'est du couplage et c'est créer deux objets à partir d'un. Voilà. Alors bonjour, ben moi c'est Sven, et en fait quand on a découvert tous les objets, j'ai trouvé du coup les cartes et le livre de temple qui m'a tout de suite inspirée. Et en fait j'ai décidé de faire tout un ensemble de vêtements avec les feuilles du livre de temple et les cartes Sailor Moon du coup, parce qu'en fait je trouvais que les deux créent un super bon contraste avec la culture manga de Sailor Moon et le côté très traditionnel du livre de temple. Donc j'ai commencé par enlever toute la reliure du livre de temple, puis je les ai cousues l'une après l'autre, l'une sur l'autre, pour créer un petit kimono, donc avec quasi toute l'intégralité des feuilles. Et ensuite, pour ce qui est des cartes Sailor Moon, j'en ai créé un chapeau. Et je les ai toutes agrafées ensemble, puis découpées pour former un chapeau avec une lisière.